janvier 1817. Finalement, le coup de bluff d'Alar et Ventura a réussi. Les deux anciens lieutenants de Napoléon se retrouvent généraux de l'armée du Pendjab, un petit royaume indien qui lutte contre la pénétration anglaise. Alar est chargé de recruter des fantassins et Ventura de moderniser l'artillerie. Pour l'instant, le Pendjab ne possède qu'un canon, le célèbre Zamzama, pièce géante mais scellée dans le roc. Et pas un seul fantassin, les Sikhs n'aiment se battre qu'à cheval. Une bonne surprise cependant, la fabrique de munitions est dirigée par un ingénieur comme on aimerait en rencontrer souvent. C'est Ventura et son charme italien qui emportent les premiers cette ravissante position stratégique. Mais en secret, Alar déclenche et réussit bientôt une contre-offensive brillante à la Tropézienne. Les affaires sérieuses reprennent le dessus. Pour engager des fantassins, pour fabriquer des canons légers, il faut de l'or, beaucoup d'or. Alar et Ventura n'hésitent pas. Ils descendent en zone anglaise, kidnappent la maîtresse du gouverneur ennemi, qui n'a pas l'air de s'en plaindre, et ne la relâche qu'après versement d'une énorme rançon. Soudain, le drame. L'armée afghane envahit le Pendjab. Pour les deux amis, l'heure de la vérité est venue. T'as l'air plutôt heureux. Parfaitement heureux, pas toi? Oh, je suis comme un acteur qui n'aurait pas joué depuis longtemps. Je me demande si je vais être bon. Mais pas être bon à la guerre, c'est plutôt embêtant. On sera superbe, crétine. On a joué tellement de bonnes pièces avec les petits caporals. Quand est-ce que tu pars? À l'aube, avec l'avant-garde. Je te rejoins le plus vite possible, dès que le bambino sera prêt. Et crois-moi, à Bajari, ça va être un succès. Tu crois? Eh oui. Alar est le tigre et vous êtes le renard. Encore plus renard que votre majesté ne le croit. Je n'amène pas que les Zamzama. Les Zamzama sera la première terreur des Afghans. Mais ces chariots seront la seconde. Un chargement de boulets spéciaux encore plus puissant? Non, mes boulets sont maintenant tous explosifs. Et j'ai mieux encore, mon arme secrète. Courage, mes lapins. Allez. Thank you.
Je viens juste de recevoir une estafette. Ventura nous rejoint cette nuit. C'est la première fois que je vois les Anglais être aussi imprudents. L'absence d'avant-poste si près du fort, ça a quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi seriez-vous ? Vous avez dit anglais au lieu des Afghans. Pour bien me battre, il me faut des habits rouges en face de moi. S'il n'y en a pas, vous voyez, je les invente. Voici mon plan, Allah. Pendant que Ventura mettra ses canons en batterie, votre infanterie encerclera le fort. Et je garderai ma cavalerie en réserve. Et demain, nous attaquerons. À vos ordres, sait-on qui commande la garnison à Bajari? Bien connaître l'ennemi, c'est le commencement de la victoire. Mohamed Chaman commande le fort. On ne sait qu'une chose de lui. De temps en temps, quand il s'ennuie, il fait dépecer un esclave ou deux. Et il collectionne leurs bracelets dans sa chambre. Maman, maman, hein? Mohamed Chorde, Nabi Chorde. Mohamed Chorde. Je te mets à ce qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Je suis aussi. Modalier. Et ça, c'est la javab. Ça, c'est plus sourd. Ça, c'est pas qui fait. Nous, c'est le chapitre. Tout est prêt chez vous, messieurs? Oui. Tous mes hommes sont impatients, comme de vrais Français. Et votre artillerie? Je n'aurais pas fini de dire feu que les boulets seront dans le ciel. Mais j'ai une petite surprise. L'idée m'est venue le lendemain de votre départ. Les chantiers ont travaillé jour et nuit. Suivez-moi. Les Afghans connaissent les Zamzama? Moi, je l'en ai rapporté trois. Ce n'est pas gentil, cela. Superbe Ventura. Où as-tu trouvé tout ce bronze? Je l'ai trouvé chez les menuisiers. Ben, dis donc, si je pouvais avoir des fantassins en bois. Au moment de l'attaque, des fusées sortiront des faux canons. L'illusion sera parfaite. Dans 30 secondes. Good.
ces Zamzama. Non, Mumkin. Bien. Changa, Changa! جوابی حمله فوراً تیار شد بار خان افواج من بروز دویا برنا احوال شکست تمام بیا Toi, tu files au sémaphore. Tu envoies un message au général en chef. Préviens-le que nous sommes prêts, en position pour pénétrer à l'intérieur du fort, tu as compris? Bolo? Haan, saab. Hum log samaj gaye, aur hum kile mein ghusenge. Acha, ciao. Déjà. Mohammed, chhod de mujhe. Hai main mar gayi. Chhod. گوزر نامای بردارم au général Allard, cavalerie afghane décimée. Oye, et là. Yadarok, lancer attaque infanterie. Yekhabar, jaldi, jaldi, général Allard ne peut pas tarder. Allez, hop! Jali! Yeah.
Mon petit poulet. N'aie pas peur, va. Voilà. J'ai l'impression que t'as pas dû t'amuser beaucoup dans cette baraque, hein? Pas grave. Je m'appelle Jean-François. Et toi? Moi? Jean-François. Et toi? Comme plat. Eh ben voilà. Mohamed Chaman, tu sais où il est? Mohamed Chaman. Où est-ce qu'il est? Il est parti. T'en fais pas, va. On va le rattraper, ce gros cochon. Toujours en première ligne, hein? Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vois, je t'empêche de mentir à cette innocente créature, mademoiselle. Très bien, mon vieux. Merci de ta visite. Maintenant, si tu permets. Pas question. Diwan Chan nous attend. Il est blessé. C'est grave? Non. Allez, allez. T'aurais pas pu pas me trouver, non? Allez, pleure pas, pitchounette. Tu l'auras, ta bataille d'Austerlitz. Ça va? Oh, ce n'est rien. Notre succès est total. Il vient juste d'arriver. Il a porté la réponse des cavaliers ennemis. La route de Bajari est maintenant coupée. Nous sommes forcés de nous rendre. There you are, Your Highness. You should be quite all right again in a few days' time. Merci, docteur. C'est pas vrai. Jésus Marie, un anglais. William Chester, docteur et médecine. Enchanté, monsieur. Je suis désolé, docteur, mais vous devez vous joindre aux prisonniers. Your Highness. Le docteur Chester était le médecin du fort. Qui est-ce? Celui qui nous aurait fait écorcher vif s'il avait gagné la bataille. Descendre vers le Punjab, moi qui croyais qu'on allait de l'autre côté, vers le Cachemire. La route était libre. Oh. Illusion. Vous voyez un ciel très pur. Avant la fin du mois, à l'art, il y aura tellement de neige que parcourir 100 mètres vous demandera un jour entier. Ça l'avance en l'hiver. Hein? Il faut bien un temps pour rêver à l'été, Ventura. Pourquoi Chaman n'est-il pas avec les prisonniers? Il reste dans le fort. Quelle meilleure punition que de le laisser vaincu où il s'imaginait le vainqueur. De sa cellule, il verra tous les jours notre drapeau et nos soldats sur ses remparts. Mais si j'étais vous, messieurs, je m'intéresserais plus à un autre prisonnier. Docteur Chester. Entendons-nous anglais, ça me fait comme si j'entrais chez moi et que j'ai trouvé quelqu'un au lit avec ma femme. Êtes-vous marié, général? J'ai fait la retraite de Russie à pied. Vous trouvez pas que ça suffit comme catastrophe dans la vie d'un homme? Je vous pose ces questions sur l'ordre de notre commandant en chef, le prince Diwan Chan. Vous m'épargnerez, je pense, la peine de vous expliquer en quoi cet entretien m'est très pénible. Je vous répondrai donc en peu de mots pour vous obliger. C'est après ma démission du 1er régiment d'infanterie galloise que je suis venu en Orient pour tenter l'aventure. Pourquoi cette démission? Parce que l'officier qui commandait la place m'empêchait d'exercer la médecine correctement. Je veux dire librement,
dans le respect du malade. Et quand cela? Il y a 2 ans. J'ai rendu mes galons. Pris le premier bateau. Il allait aux Indes et me voilà. Et où cette démission a-t-elle eu lieu? Dans un coin perdu. Sainte-Hélène. Quoi? Sainte-Hélène. Continuez, s'il vous plaît. Vous dites que l'empereur souffre du climat, il vous l'a dit? Sainte-Hélène, ce n'est pas difficile à décrire, hélas. Une chaudière. On a changé le papier qui tapissait les murs de la maison de Longwood. Longwood? La maison habite votre empereur. 15 jours plus tard, le papier était moite. Est-ce qu'il y a beaucoup de sentinelles? Les sentinelles? 7 navires de guerre, 600 canons, 3000 soldats. Et M. Hudson Lowe par-dessus le marché. Ce salaud. Pire, monsieur. Ce lâche. Ici, le bureau de l'empereur. Ici, sa chambre. Tout a été installé avec les meubles trouvés sur l'île. Et là? Une cour intérieure. Il s'y promène quelquefois? Impossible. Elle est toujours pleine de boue. Dites-moi, il n'est pas vraiment malade? Pas vraiment en danger? L'empereur est très volontaire, très courageux. Docteur Chester. Thank you. Du Sud nous a donné un immense plaisir. Remercier de ma part le Maharaja de Kuchi. Pourriez-vous maintenant nous offrir une danse guerrière? Mais où sont donc Alar et Ventura? Pourquoi ne sont-ils pas présents à la cérémonie? Majesté, on les cherche partout. Ils ont sans doute quitté la capitale depuis longtemps. जारी रखो तानू महाराज ने गुस्से का पता है Thank you.
Nous avions perdu la bataille de Bajari, sire. Ventura et moi-même, nous nous serions fait sauter la cervelle. Mais comme nous l'avons gagné, eh bien, nous nous sommes fait le plaisir de venir vous présenter nos respects en grand uniforme de la grande armée. Le dernier essayage a été un peu plus long que prévu. Nous demandons à votre majesté de nous pardonner. Je vous pardonne, mais à une condition. Que vous me rapportiez d'autres victoires. Il y aura d'autres Bajari à conquérir, messieurs. D'autres Mohammed Chaman à faire prisonnier. Mais tous n'auront pas le bonheur d'avoir comme chaman le plus gros diamant du monde dans leur coffre. Un diamant qui a disparu dès que nous avons eu fait la conquête du fort. Vous êtes bien mal informé, colonel Sardoussing? Les renseignements irréfutables de mes informateurs sont que Chaman possédait cette merveille. Bien sûr, mais elle n'a pas disparu. Alors, où est-elle? Dans ma poche. J'espère que votre majesté nous fera l'honneur d'accepter ce petit cadeau de Bajari. Aussi longtemps que le Punjab vivra, vos deux noms seront brodés dans notre histoire en fil d'or. Sire, quel est le sort du prisonnier anglais, Chester? Qui choisit les Afghans, choisit ma colère. Le général Ventura et moi-même demandons à votre majesté la grâce du docteur Chester. Il a soigné notre empereur. J'ai du mal à pardonner, messieurs. Mais puisque le grand Napoléon me le demande, que Chester soit libéré. Qu'est-ce que tu fais, toi, cet hiver? Je crée une seconde division d'artillerie et je reprends le commerce. Le commerce? J'ai parlé à Ranjit, il va me donner quelques petites mines de pierres précieuses. Alors, tu veux tout, toi, la gloire, la fortune? Pourquoi pas? L'aventure doit déboucher sur la puissance, Jean-François. Pas seulement sur les beaux souvenirs pour plus tard. Remarque, je t'imagine très bien au roi du Punjab. Ventura Singh. Roi, non, mais pourquoi pas premier ministre? Et le plaisir de s'amuser, qu'est-ce que tu en fais? Une belle bataille, une belle femme, un beau cheval, un bel arbre, comme ça, sans politique, pour le simple parfum de la vie. Le parfum, cela s'évapore. Mais tu peux compter sur moi. Quand il y aura la fête, je serai là. Tu m'amuseras pas. Et pourquoi pas, s'il te plaît? Parce qu'un premier ministre, c'est pas fait pour rigoler. Ça serait trop beau. Ne te soucie pas pour moi, bambine. Je serai millionnaire avant l'été. Aristote, une femme est une femme, mais un cigare est un cigare. Aristote, il a dit ça? Mais comment? Et tes affaires, ça marche? Viens voir. Dis donc, ton petit magot, mais c'est le vrai trésor d'Ali Baba. J'ai écrit à ma petite sœur à Torino
et je lui ai dit que j'avais plus de pierres précieuses que tous les joailliers d'Italie. Ah, mais je te crois. Ah, ma mignonne sœur chérie, que la Santa Madonna te protège. Fais voir. Hein? Charmant avec ça. Ne moque pas de ma sœur. Bon. Ce soir, tu dînes avec moi? Ce soir, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Une petite? Une petite. Réunion d'état-major avec mes officiers très officiels. Prost. 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 Faudra que je t'apprenne à faire la bourride, ça me manque. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un incendie parfumé avec du poisson dedans. Oh. C'est bon. C'est autre chose. Oh. T'as pensé à ma commande de cartouches pour mes nouvelles recrues? Ah, oh, bien sûr, chérie. Non. Mais je me fais du tourment pour le salpêtre. Déjà? Ouais, avec tous les boulets de Ventura. Oublie-le, l'infanterie d'abord. L'oublier, t'es drôle. C'est un ordre? Aucun homme ne me donne des ordres, jamais. Non? Ou alors dans des circonstances très particulières. Je vois. Hein? Oh non, maintenant c'est le dessert. C'est moi, bambola mia. Vite. Non, non, non. Là. Je devais dîner avec Jean-François. Mais il est retenu à l'état-major. C'est ça, Ventura. La chance. Et ça. Surprise. Surprise. Tu vois, j'allais finir de dîner et dormir sagement, comme une jeune fille. Schnitzel, comme d'habitude. Oh, je ne m'en lasserai jamais. Il faudra que je t'apprenne à faire des spaghettis carbonara. Qu'est-ce que c'est ça? Une caresse de la Santa Madonna, avec des lardons par-dessus. Tu as pensé à mes commandes de boulets? Bien sûr, chérie, mais les cartouches de ton ami à l'arme prennent tout mon salpêtre. Ah non, l'artillerie d'abord, c'est un ordre. Ah! Oh, scusa, mes tesoros. Ah, vous autres avec vos ordres. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Nous autres? Oui, vous autres, les émissaires de Sa Majesté, vous, les clients, Allard et ses cartouches, et toi, mein kleine italischen Schatz, mon petit trésor d'Italie. Mm. Dis donc, à propos d'Allard, tu sais ce qu'il m'a dit, cet idiot? Non. Que tu avais un amant? Bien sûr, j'ai un amant. Comment bien sûr? Bien sûr, j'en ai un, toi. Ah, bon. Et tu l'avais cru? Folle. Dommage. Un vrai amoureux est un amoureux jaloux. Pas la peine. Moi, j'ai le flair. Grâce au ciel, les jours où tu me tromperas, je le saurai. Sa Majesté sera là bientôt. Gott mit uns. Tu ne m'avais pas de t'avoir menti pour Charlotte et moi, hein? Non, pas du tout. Elle m'a fait jurer de n'en parler à personne. Et c'est normal. Merci, Jean-François. C'est là que je te reconnais, mon vieux, avec ta générosité. Porca miseria. Pere? Messieurs, les premières compagnies d'oiseaux sauvages sont revenues du sud. Le printemps les suivra à tire-d'aile. Quand il sera là, nous devrons être prêts pour détruire notre vieil ennemi, l'Afghan. Le Cachemire, hélas, depuis trop longtemps, attend sa liberté. L'armée de votre majesté est prête. Les munitions?
Nischberger était à court de salpêtre, mais nous attendons une grosse livraison du Siam. Tout ira bien. Il n'y aura pas de salpêtre. Quoi? Quoi? Officiellement, la caravane a été massacrée par des bandits. Mais la vérité? La vérité porte un uniforme rouge. Les Anglais ont fait pression sur le Siam pour qu'on nous prive de salpêtre. Oh, la vache! Attention aux vaches, ici, elles sont sacrées. Mais vous êtes sûr de cette histoire politique? Absolument, je la tiens de Dr. Chester. Il est ici? Tout cet hiver, j'ai appris le Punjabi. Quelqu'un a dû en parler au Watt qui m'a convoqué. Je fais construire un dispensaire gratuit pour les mineurs, me dit-il. Vous en serez le chef. That gentleman is a king for you. Regardez, là-bas sera mon bureau. Je mettrai des gravures de chasse aux renards, comme chez moi. Tu ne veux pas me montrer ton dernier canon? Oui, on est en retard. Mais vous venez à peine d'arriver! Si tu n'avais pas soigné notre empereur, je lui cassais la gueule. Un cheveu de trop, un salpêtre en moins, tu veux que je te dise? Oui. Eh ben, c'est pas notre jour avec l'Angleterre. Mieux. À toi. Le salut public. Valmy. Mais qu'est-ce que tu as? Eh bien, Valmy, tu comprends pas? La Marseillaise. La Marseillaise, camarade. Et la poudre. La révolution avait besoin de boulets et de cartouches, mais il n'y avait pas de salpêtre. Alors les sans-culottes ont trouvé du salpêtre en grattant les murs des caves. Nous ferons comme eux, André. Rocco. Mauvaise qualité. Ah, ne parle pas sérieusement. Vous m'avez commandé 3000 boulets de moyen calibre, 50 000 cartouches. Avec le salpêtre de cette qualité, je pourrais à peine vous en fabriquer le quart. Ciao. Où tu vas? Voir une belle dame. Tu crois vraiment que c'est le moment? Oui. Je ne sais même pas ton nom. Alors voilà que je te parle comme si tu étais la Madone. La vieille Madone de mon église à Torino avait de la peinture écaillée sur sa robe bleue. Fais-nous découvrir du salpêtre. Sois gentil. Et si tu veux bien faire les choses, il faudrait qu'il y en ait une montagne, même une petite montagne. Ça nous rendrait déjà un grand service. D'accord? Grazie.
colline de 100 000 cartouches. C'est un miracle. Tu vois, italien, chinois ou indien, les dieux sont tous des vrais copains des régiments. Un pour tous, tous pour un. Et le vieux paysan qui t'indiquait l'endroit, c'était tout de même pas la madone, non? Ou alors elle a bien changé avec sa barbe blanche. Pauvre petit Voltaire, va faire un culo. Tu sais ce qu'il te dit, le petit Voltaire? Vous savez ce qu'il y a sur cette colline? La chance de votre armée, sire. Un immense dépôt de salpêtre. Pauvre fou. Cette colline abrite le plus ancien cimetière musulman. Le salpêtre est né des ensements des morts. Vous savez que le colonel Sadhu Singh appartient à la secte des Akali, la plus intransigeante de mon royaume. Il vous accuse de sacrilège, il a raison. Le vieux paysan qui m'a indiqué la colline, c'était lui, les pièges. Allez, belle ta madone. Depuis des années, je m'efforce de neutraliser le fanatisme des Akali, et vous, vous venez de tout compromettre. Ah, rien n'indiquait que c'était un ancien cimetière. Tout le monde n'a pas le courage d'être aussi libéral que je le suis. Le colonel Sadhu Singh vous déteste parce que vous êtes des chrétiens. Il sera content d'éprouver aux sikhs et aux musulmans que vous venez ici apporter le mal. Vous êtes mes généraux, mes excellents généraux. Mais vous menez une vie trop à part, trop éloignée de la nôtre. Si vous vous mêliez plus à la vie du Pendjab, la chose se passerait plus facilement. Voilà. J'ai décidé que vous alliez épouser deux jeunes filles de chez nous. Opération morale et politique. Je songe pour vous à deux charmantes demoiselles qui sont les héritières d'immenses domaines, juste en face de la zone anglaise. Voyez, ici. Depuis quelques années, appâtées par les habituelles promesses anglaises, les propriétaires de toute cette région ont envers ma couronne une fidélité un petit peu lunaire. À éclipse. Quand ces deux domaines seront devenus par mariage les fiefs du redoutable Alar et du non moins redoutable Ventura, cela fera réfléchir les voisins et les tiendra dans la sagesse. Vos jeunes filles sont sûrement très belles, sire, mais je vous en supplie, pas de mariage. Mais c'est un ordre général. Avant de partir pour la guerre du Cachemire, vous épouserez la fiancée que je vous ai choisie, et vous aussi, Ventura. Ce serait un grand honneur d'obéir à votre majesté, mais je suis déjà marié. Madame Ventura, sire. Bon. Quant à vous, je sais que vous êtes célibataire parce que vous l'avez dit au prince d'Ivan Chand là-haut dans la montagne. Votre majesté, c'est tout. Cela fait partie du métier de roi, avec la justice et avec le risque d'être tué par un fou un jour au coin d'une rue. Montrez le portrait de ta sœur et dire que c'est ta femme. Je trouve ça dégueulasse. Moi, je trouve plutôt que c'est un bon réflexe. Sauver les petits artilleurs. Tu me fais honte. Menteuse, je te fais envie. Bah, console-toi, tu seras très mignon, jeune marié. Un vrai petit trésor, mon Jean-François. Toi, tu m'emmerdes. Pardon si je te quitte, mais je dois écrire à ma sœur. Ciao, bambino. On se revoit dans 15 jours à la noce. En tout cas, je te jure une chose. Que tu seras fidèle, ça je le savais. Écoute-moi, espèce d'abruti. Cette fille qu'on veut me forcer à épouser. Le jour même du mariage, je fous le camp. Ouais, cher Singh. Né. Ah, non, Dipenlo, oh, penlo, paidae. Oh, souris un petit peu, mon oh, vieux. Hein. C'est qu'un mauvais moment a passé, c'est toi, tout. Le garçon d'honneur, je t'emmerde, hein? Oh, allez, basta, hop. Alors, heureux? Eh bien, réponds, fiancé.
Que votre majesté pardonne mon silence. Mais c'est la joie. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là encore? Mais j'y vois rien, je vais me casser la gueule. C'est les voiles de modestie, mon cher général. Tu veux que je te dise, bambino, la modestie, ça te va très bien. Toi, ta gueule. Vous pouvez pas me mettre ce voile simplement quand j'arrive chez la fiancée? Impossible. La tradition vous interdit de voir aucune femme jusqu'à l'instant de votre mariage. Et pour que votre joie soit complète, général, je serai votre témoin. Barat, bahau. Barat, bahau. Disons 400 km comme ça, ça va être gai. Ingrat, il paraît que la maison de ton Amrita, c'est une merveille. Un vrai petit palais, un vrai petit Versailles. Le palais, je m'en fous. Et Amrita, tu sais ce que je t'ai dit, dès que je la vois, cette fille, je lui tourne le dos. Une brave fille, une bonne ménagère. Oh, arrête, tu veux, tu me pompes l'air. Mon amour, qu'on a, c'est vingt ਰਾਤ ਸੂਈ ਅਸ਼ਟਮ ਪਦੀਆਂ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇਕੋਂਕਾਰ ਲੜਕੇ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਕੜਵਾ ਦੇਣ ਔਰ ਉਸੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਔਰ ਮੈਂ ਛਾਟ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ Vous êtes maintenant le mari d'Amrita pour toujours. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Vous monterez dans ces deux lits et vous ferez le tour de votre domaine. Quand vous arriverez devant votre palais, les feux d'artifice commenceront la cérémonie. Et c'est alors seulement que vous pourrez lever le voile de votre femme et voir enfin son visage. Allons. Je lui enlève son voile et je fous le camp. Mais tu vas faire un scandale. Oui, ben tu vas voir. Thank you.
les grands bateaux blancs. Toi qui regardes tes rêves d'enfant, mon frère, écoute la voix qui te crie. Joie.